Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. On va essayer de vous partager un petit peu avec vous la genèse de la compagnie, du projet. Avec certaines couleurs, certaines histoires, on va essayer de rendre ça intéressant. Et puis, dépendamment à quelle vitesse puis combien qu'on devient, combien qu'on parle, on ouvrira peut-être quelques questions que vous puissiez creuser dans une direction qui vous est intéressante. Peut-être Jean-Sébastien, on pourrait peut-être tous se présenter rapidement un petit peu nos rôles, puis après ça, expliquer un petit peu comment tout ça a commencé. Moi, Jean-Sébastien Cournoyer, je suis cofondateur et associé chez Real Ventures et aussi cofondateur chez Element AI. On va vous raconter tantôt comment j'ai été impliqué dans le projet. Anne Martel, je suis cofondatrice et SVP opération pour Element AI. Nicolas Chapadeau, cofondateur également, directeur scientifique de Element AI. Jean-François Gagné, je suis le CEO, le PDG de la compagnie. Jean-Sébastien, ça fait déjà 2 ans, je pense, qu'on est allé prendre un verre quelque part, puis on a commencé à discuter d'opportunités qu'on voyait tous les deux selon nos perspectives. Peut-être que tu veux commencer avec ce morceau de l'histoire. Mais en fait, on Jean-François et moi, et Nicolas aussi, on se connaît depuis, ça va faire 5-6 ans. On a travaillé ensemble sur... 7. C'est 7 ans déjà, wow. Ça passe vite, hein? Oui, on a travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Planora, qui était la dernière business de Jean-François, dans laquelle Nicolas aussi a été impliqué, qui était aussi une compagnie d'intelligence artificielle et qui avait un modèle, en fait, similaire à ce que Element AI est devenu. C'est juste que là, on le fait at scale. On le fait beaucoup plus grande... Moi, il y a quelques années, après, il y a à peu près 2 ans et demi, avant que je m'assoie avec Jean-François, je pense que c'était un lunch, en fait. Ouais. Je commençais à travailler sur la thèse d'investissement pour le prochain fonds de Real Ventures. Et en bout de ligne, on a décidé de focusser sur l'intelligence artificielle parce qu'on voyait que l'intelligence artificielle était la bonne évolution de tout l'investissement qui a été fait jusqu'à maintenant dans tout ce qui est cloud computing, dans tout ce qui est la numérisation du monde dans lequel on vit, la mobilité. Beaucoup d'investissements ont été faits, beaucoup de données qui sont disponibles. Et l'intelligence artificielle semble être la bonne plateforme technologique pour créer de la valeur avec tout cet investissement-là qui avait été fait. Et on savait aussi qu'à Montréal, au Canada en général, mais aussi à Montréal, il y avait énormément de talent en intelligence artificielle à travers la recherche. Yoshua Bengio, vous connaissez tous maintenant, qui est une sommité mondiale. Et Real Ventures, on a toujours été une firme qui bâtit. On essaie de bâtir des écosystèmes. On l'a fait un petit peu ici à Montréal avec Nutman House, avec Founder Fuel. Puis si on était pour investir en AI, bien, on voulait être capable de faire quelque chose qui aidait à bâtir l'écosystème local. Et évidemment, tout de suite, Jean-François est venu à l'idée comme quelqu'un qui pourrait nous aider à cristalliser un projet autour de l'intelligence artificielle. Puis on a eu un super de bon lunch. Il était encore, à l'époque, il était encore chez JDA, mais à la fin. Et en fait, comptait les minutes, je pense. Non, pas tant que ça, là, mais le dernier vesting s'en venait, puis pour moi, c'était un point, d'intersection. Ça devient un moment où on réfléchit. Quand on a vendu la dernière entreprise, on a travaillé pour 3 ans pour l'acquéreur. Et puis, c'est une compagnie internationale, globale. Ça amène à beaucoup de voyagements, beaucoup de... C'est une dynamique qui est différente, disons, qui implique beaucoup de politique, puis toutes sortes de choses. J'arrivais un peu au point où c'était le temps de réfléchir, puis avec Jean-Sébastien, puis on avait plein d'autres échanges aussi, hein, Nicolas, à ce moment-là, sur tout ce qui représentait le défi de créer une compagnie en AI. Puis c'est encore vrai aujourd'hui, mais on se recule, là, 2014-2015, il y a beaucoup de gens encore qui doutaient, là. C'était pas vraiment quelque chose qui était dans les nouvelles ou qui était évident que ça allait prendre le dessus, puis que ça allait devenir quelque chose qui n'est pas seulement une composante d'une solution, mais qui en fait maintenant est en train de devenir l'essence de beaucoup de produits puis de services que les compagnies offrent
dans le marché. Ce pivot-là s'est fait quand même dans une période de temps très, très, très courte. Et au moment où on en parlait, bien, on avait quand même pas mal de doutes. Puis on s'est dit, c'est ce qu'on voit. Puis il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Nicolas, tu étais en train de bâtir aussi un autre projet à ce moment-là. Puis tu faisais face à toutes sortes de problèmes. Peut-être, je ne sais pas ce que tu... Absolument. Qui étaient les plus gros challenges à ce moment-là? Donc c'était une période où, qui était post-GDE pour moi aussi. J'étais impliqué dans une start-up qui développait des techniques d'intelligence artificielle pour la détection et le diagnostic du cancer, qui existe toujours, qui s'appelle Imagia. Et au moment de développer Imagia, on a réalisé que beaucoup des choses, des défis auxquels on se heurtait, n'étaient pas spécifiques à un environnement clinique ou à un environnement hospitalier, mais étaient vraiment des défis d'infrastructure, de plateforme pour déployer les nouvelles techniques d'intelligence artificielle à des problèmes divers. Donc, rien de spécifique à un environnement médical. Donc, on s'est posé la question, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider toutes les nouvelles startups qu'on voyait émerger, par exemple, chez Real Ventures? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces startups à leur donner une plateforme solide pour se développer et développer des techniques d'intelligence artificielle qui les amèneraient au prochain niveau? Donc, à travers ces conversations est venue un petit peu une idée de travailler sur un studio, sur un environnement cadre qui donnerait toute la base pour créer des templates de nouvelles compagnies en intelligence artificielle. Et de là est né un petit peu le projet de Element après des milliers d'itérations sur le modèle. Donc peut-être, JS, tu peux nous parler de toutes les itérations qui ont eu lieu. Je pense que le earn-out de Jean-François s'est terminé en août. Et on a créé un nouveau poste à Real Ventures, Entrepreneur in Residence, entrepreneur en résidence, pour lui faire de la place pour qu'il vienne travailler avec nous. Il y avait quelques rôles. Un, c'était d'aider à cristalliser un peu la thèse d'investissement. L'autre rôle, c'était de travailler un petit peu avec le portefeuille puis d'apprendre un peu la business du capital de risque. Et là, évidemment... Ça aide pour vivre de l'argent après. Ça aide, c'est exact. Et le dernier, qui est devenu le plus important de tous les rôles, c'était de travailler sur le concept le nom de code, c'était le AI Studio. On n'a jamais utilisé le mot français. On n'a jamais appelé ça le Studio AI. Le Studio IA, oui. Oui, non. Mais il y a eu énormément d'itérations de modèles dans cette première période là, de 5-6 mois. On a parlé de faire un accélérateur. On a parlé de faire une compagnie qui ferait plus du conseil. On n'était même pas sûr au début si ce serait un not-for-profit ou un for-profit. On a vraiment débattu sur ces idées-là. Mais on a fini par... puis je pense que le marché aussi nous a aidés en regardant les grandes entreprises, les Google, les Facebook, les Amazon. On a rapidement réalisé qu'il y avait un besoin massif de talent dans le marché et que si on pouvait développer une méthode, une façon d'attirer ce talent-là, il y avait une opportunité d'affaires exceptionnelle. Au-delà de ça, je pense qu'une des choses qui est encore une réalité, c'est qu'étant donné que le talent est rare, on se doit de trouver des moyens de l'amplifier. C'est pas juste une question de dire « j'ai du talent ». Alors, on sait qu'il est en quantité limitée, donc le besoin sur le marché va toujours dominer notre habileté d'être capable d'y répondre. Et donc, on se devait trouver un moyen de créer du levier par toutes sortes de façons. Donc, ça veut dire de bâtir du logiciel, ça veut dire d'être capable d'avoir des gens qui sont impliqués sur plus qu'un projet à la fois, et qui devient un peu contradictoire à ce qui est la norme dans un start-up. Souvent, on va vouloir focusser. Donc, on a tranquillement découvert que notre focus allait être ailleurs. Il allait être dans l'amplification, il allait être dans la démocratisation de l'accès à cette technologie-là. Et le moyen qu'on allait devoir prendre, en fait, allait être très horizontal. Et vite, vite, on a réalisé que, en fait, nos compétiteurs ou les gens avec qui on allait avoir à aller battre, c'était les grands joueurs technologiques.
chose que peu de startups vont des fois décider de prendre comme défi. Mais bon, nos compétiteurs, les gens qu'on essaie de contrebalancer, c'est IBM Watson, c'est des gros joueurs qui offrent des solutions, là, surtout du côté entreprise. Puis, en janvier 2016, c'est là qu'on a autorisé l'investissement initial qui ne s'est pas clôturé tout de suite parce qu'il y a un partenaire de la côte ouest qui nous a approchés. Et souvent les Québécois ou les Canadiens, on regarde la Californie et on dit il se fait des grandes choses là-bas. Est-ce qu'on peut accélérer notre projet en faisant un partenariat avec des grands joueurs qui peuvent nous donner accès à des réseaux puis à des clients potentiels? Et c'était des joueurs qui étaient quand même de renom. Puis on a décidé d'explorer l'opportunité pendant à peu près 6 mois. Ah, pratiquement, oui. À travailler avec eux. Oui. Et une des choses qui est intéressante, c'est que, bon, on est des gens qui ont beaucoup d'ambition, là, toute l'équipe. Mais vraiment, tu sais, je pense que d'échanger avec ces grands groupes-là nous a amené à vraiment penser à un autre niveau. Donc, c'est de réaliser leur compréhension et de ce que représente une masse critique pour être capable d'avoir accès à certains marchés, d'être capable de porter des produits, puis d'avoir du succès, puis d'être capable de convaincre les clients à grande vitesse de se joindre à une solution ou à une entreprise ou à utiliser les services d'une entreprise. Puis on a commencé à ce moment-là à parler de choses qu'on n'avait pas nécessairement parlé avant. Oui, on a fait plusieurs itérations sur le modèle d'affaires basé sur ces interactions-là. Ça a été très, très utile, en fait. Même si c'était difficile, beaucoup de voyagements pour aller les rencontrer, quand même assez stressant, étant donné leur prestige. Mais ça nous a apporté beaucoup quant à notre compréhension du marché puis de notre propre modèle d'affaires. Puis c'est un petit peu à ce moment-là qu'on a commencé explicitement à nommer qu'on a appelé le concept de supercrédibilité ou de ligne de supercrédibilité. Puis la ligne de supercrédibilité, c'est une invention de Peter Diamandis, qui est le créateur de XPRIZE et de Singularity University aux États-Unis. Puis il réfléchit de la façon suivante, il dit, ben, si vous partez un projet, si vous créez un projet, vous avez le bon but, vous mettez en place la bonne équipe, les gens vont vous regarder puis ils vont vous dire, ah, ces gens-là, ils sont crédibles. Donc, vous gagnez leur respect et les gens vous disent, ben, revenez me voir dans 6 mois lorsque vous aurez fait un peu de progrès. Évidemment, s'il vous manque des ingrédients cruciaux, vous n'atteignez même pas la ligne de crédibilité. Mais il existe une certaine ligne au-delà de laquelle les gens deviennent tellement enthousiastes face à votre vision puis face à votre projet de changer le monde que les gens veulent vous aider naturellement. Les gens deviennent tellement, tellement, tellement enthousiastes qu'ils veulent se joindre au projet naturellement. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour vous aider à ce que le projet soit un succès parce qu'ils se voient faire partie de cette réussite. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de supercrédibilité. On l'a nommé assez tôt quand on a commencé à parler à nos partenaires de la côte ouest. Puis, graduellement, on a comme un peu oublié le concept. Et c'est le lendemain d'un lancement que je vais laisser Jean-Sébastien décrire qu'on a réalisé qu'on avait lancé au-delà de la ligne de supercrédibilité. Peut-être juste avant, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Des choix qu'on a fait dans la séquence d'exécution. Donc, le deal, en fait, avec ces partenaires-là n'a finalement pas été conclu. Ils ne bougeaient pas assez vite, puis eux-mêmes, à un moment donné, l'ont reconnu. On avançait avec la narrative par rapport à l'exécution du projet. Puis, à travers tout ça, on travaillait temps plein, on faisait des heures, ça n'avait pas de bon sens. Anne, du côté, toute la structure, la vision, la gestion des opérations, puis de l'équipe. Puis, de notre côté, vraiment du côté marché, faire le tour, parler à des clients, parler à des startups, échanger avec des fonds d'investissement, échanger avec des accélérateurs, des incubateurs, partout à travers la planète, en Asie, en Europe, à travers les États-Unis. Et puis, on commençait à raffiner vraiment notre modèle d'affaires puis vraiment avoir une très bonne idée des besoins et du défi qu'on avait à faire. Puis, à un moment donné, ils nous retenaient, puis ça devenait un problème. Puis, on s'est entendu mutuellement là, de très bon gré là, que on était pour se reparler une fois qu'on aurait lancé le projet.
Je pense que cette notion-là que Nicolas a expliquée, ça a été crucial dans les investissements qu'on a faits qui ne sont vraiment pas nécessairement intuitifs. Un des aspects, ça a été toute notre stratégie de communication, puis là où on a choisi d'investir notre temps comme founder, parce que là, c'est un grand chantier, il y a un million de choses à faire. On aurait pu décider d'écrire du code, on aurait pu décider de faire des partenariats avec des compagnies, etc. Puis en fait, on s'est retrouvé à aiguiller notre investissement de temps dans d'autres secteurs. Je pense que la communication, c'en est un sur lequel qui a pris de l'importance vite. Là. Oui, puis en fait, on l'a débattu. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas convaincues que c'était la meilleure idée d'investir tout de suite en communication. Puis finalement, on a décidé d'essayer parce qu'on ne perd jamais rien à essayer. On a fait un lancement de la compagnie avec des médias, des journalistes qui sont venus. Et puis, la réaction a juste été hors de toutes nos attentes. On a été première page de Wired. Eric Schmidt de Google nous a envoyé un tweet pour nous féliciter d'avoir démarré LMTI. Puis à partir de ce moment-là, je pense que tout a décollé. On a reçu des CV, des contrats de clients. Ça a vraiment tout changé. Je pense qu'un point important à mentionner, c'est que une des raisons pour laquelle on voulait travailler avec le groupe de Californie, c'était un peu pour se donner de la super crédibilité, parce qu'on pensait qu'on ne l'avait pas nous-mêmes. Et quand on a décidé de ne de pas travailler avec eux, je pense qu'à quelque part, on s'était dit peut-être que notre projet ne sera pas aussi gros aussi vite. On va quand même le bâtir avec les bonnes assises pour se permettre de faire quelque chose de grand. Mais je pense que on s'attendait à quelque chose de moins grand. Et en tout cas, moi personnellement, je ne m'attendais pas du tout à l'impact qu'on aurait aussi rapidement. Et en fait, de la super crédibilité qu'on avait déjà à travers les gens qui étaient associés au projet. Je pense qu'on a su mettre en lumière aussi beaucoup d'investissements passés. Donc, toute l'aventure de communiquer notre projet, de parler à un paquet de joueurs, ça a été un combat, là, rencontre par rencontre, sur une période de plus qu'un an, là, de toute l'équipe fondatrice à tous les niveaux. Les gens ont apprécié le fait que c'était pas quelque chose qu'on s'était levé un matin et on a dit « Ah tiens, on va répondre à ce besoin-là ». C'est aussi le point culminant de nos carrières. Personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur, le large secteur de l'intelligence artificielle. C'est ma troisième start-up. Anne, c'est ta deuxième. Nicolas, c'était à 5, 6, je sais pas. C'est dépendamment comment on compte. Mais ça fait plusieurs. Et puis, tous les investissements qu'on a faits, les gens qu'on a rencontrés dans notre carrière, ça a fait boule de neige. Puis, je pense que justement, dans notre communication, on n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre. On a juste bien expliqué notre mission, ce qu'on visait, on a décrit qui on était. Puis, on a parlé de nos ambitions qui étaient très élevées. On a vraiment mis la barre très haute. Puis, le marché nous a donné une chance. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ah, oui, non. Puis, l'autre chose qu'on a fait. L'autre chose qu'on a fait, par contre, c'est aussitôt qu'on a vu l'engouement, bien là, on a vraiment sauté dedans à pieds joints, puis... J'ai appelé Jean-Sébastien deux jours après. Ça faisait peut-être 150 leads qu'on avait, là, 150 demandes de grosses compagnies qui voulaient nous parler pour faire des projets ou qui voulaient avoir d'informations sur qui on était. Notre site web était correct, là, mais c'était un peu vague, disons. J'ai appelé Jean-Sébastien, je dis « OK ». On a frappé quelque chose, là. Je sais qu'on a travaillé fort sur notre utilisation du capital, puis qu'on a tant de temps avant nous autres, 18 mois, mais là, we're going all in, tu sais, en bon québécois, là. J'ai pris ça, j'ai mis ça dans le shredder, puis on a ouvert les valves, là, puis on a commencé à embaucher, pas à toute porte, mais dans le sens, on a commencé à embaucher de façon très agressive. Le meilleur talent qu'on était capable de trouver, on a appelé toutes nos connexions par le passé, puis on a convaincu les gens qui avaient des positions quand même souvent très, 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 très bonnes dans d'autres organisations de quitter leur emploi puis de nous joindre. Puis ça a commencé à créer un engouement. Les 10 premières personnes, évidemment, étaient très entrepreneuriales, étaient tous des entrepreneurs en série dans l'entreprise. Je pense que ça a fini par faire une énorme différence. Là, on le voit encore, ça paye énormément. Mais on a changé complètement de mode. On a vraiment bien, je pense, c'est un des bons points, on a bien réagi. On avait levé une ronde de 3 millions qui nous donnait 12 mois de cash. On l'a brûlé en 4 mois, 3-4 mois. Ouais.
Très responsable. Très responsable. mais c'est pas toujours le, faites pas toujours ça. Là. Ouais. Non, puis je pense qu'on a pris aussi une bonne décision de prendre une couple de semaines pendant les vacances pour recharger les batteries. Et aussitôt que la nouvelle année a commencé, travailler très fort sur le pitch deck, en fait, le storyboard qu'on utiliserait pour lever la ronde de financement. Et au début, nos ambitions étaient encore plus petites. Je me souviens, dans les premiers decks, on parlait de 15 à 20 millions. Puis là, rapidement, bien, c'est devenu 40 millions, puis après ça, 50, puis après ça, 65. Puis on a fini où est-ce que... 102 millions US. 102 millions, 135 exact. Millions dollars canadiens. Oui. Donc, ça a un peu dépassé nos attentes. C'est quelque chose qui se bâtit graduellement. Donc, à travers ça, il y a un ensemble de réactions. Donc, je pense qu'on a été très clair. Une des choses sur lesquelles on a passé beaucoup de temps, c'est vraiment s'assurer des besoins qu'il y avait sur le marché. Donc, ça, on a bien qualifié ça. Puis même encore aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Ce qui change, c'est notre approche, la façon dont on a ajusté l'offre de service, qui est vraiment maintenant d'aider la grande entreprise à faire le pivot, la transition, pour utiliser des technologies basées sur l'intelligence artificielle. Et puis, on le fait en leur livrant des services nous-mêmes, mais on le fait aussi à travers un réseau d'affaires qu'on appelle notre business network, de start-up dans lequel on prend des positions. Donc, le côté studio est un peu resté là. Donc, on aide les entreprises à bâtir la technologie puis à amener ça à un niveau de qualité qui est le plus élevé possible selon la science qui est connue. Et donc, on agit à titre d'intégrateur chez les très, très, très grands groupes de la planète. On en a certains même qui étaient tellement excités à l'idée de travailler avec nous, qui font partie de notre capital action maintenant. Ils sont sur le web, vous pouvez aller les voir. Donc, ils ont choisi de devenir des investisseurs en plus d'être des clients. Donc, c'est un peu ce qui a fini par gonfler la ronde pour nous, puis aussi pour les investisseurs. Ils savaient que non seulement ils mettaient de l'argent dans l'entreprise, mais eux-mêmes avaient leur propre garantie qu'elle allait nous donner des contrats. Donc, le chiffre d'affaires qui allait soutenir, en fait, la croissance promise était pas... Bon, il n'est pas garanti. Là, c'est un gros défi d'exécution. Cependant, c'est ce qui vient un peu contrebalancer le fait que la ronde a pris beaucoup d'ampleur. Il ne faut pas se leurrer. Hein, les joueurs avec qui on compétitionne au niveau du talent ou les joueurs avec lesquels on compétitionne dans le marché, mais c'est des compagnies comme Google, des compagnies comme Amazon, comme Facebook au niveau du talent. Puis au niveau dans le marché, bien, c'est des compagnies comme IBM. Faut avoir les reins solides pour compétitionner avec ces gens-là vis-à-vis des clients. T'sais, on va voir des clients et on leur dit on va transformer votre business en mettant de l'intelligence artificielle au cœur. Il faut qu'ils soient convaincus qu'on va être là pour les soutenir à travers cette transition-là. Et je pense que la taille de la ronde est importante. Ça ajoute énormément de crédibilité au projet. Je pense qu'une des autres choses qui est intéressante à voir, c'est le commitment aussi qu'on a pris à s'investir dans les différents événements dans la communauté, dans l'écosystème. Bon, ça aide d'être des entrepreneurs en série. Ça fait plusieurs fois qu'on passe par là. On a pu faire des choix qui sont des fois peut-être contre-intuitifs quand on commence. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent difficilement être conçu après. En anglais, là, l'anglicisme, là, l'afterthought, là, ça peut pas être quelque chose qu'on ajoute comme étant quelque chose qui est juste secondaire. Puis ça a été vrai pour un paquet de choses qu'on a mis en place. Puis on a travaillé très fort sur un paquet d'éléments dans notre culture, puis dans la façon dont on approche les opérations. Oui, la diversité, la culture, nos valeurs fondamentales, c'est des choses que tu ne peux pas changer par la suite. Ça vient vraiment du début, donc on a travaillé très fort là, pour le définir du mieux possible. On a une politique de compagnie qu'on dit le « no asshole policy ». On a des clauses dans nos contrats où si quelqu'un est vraiment désagréable, on peut le mettre à la porte immédiatement parce qu'il va venir empoisonner notre culture, puis il va être toxique, puis on ne veut pas de gens comme ça. Puis la première personne non membre de l'équipe fondatrice qu'on a engagée, c'est un scientifique appliqué, mais dont le titre officiel était « Culture Hacker ». Donc, on était très intentionnel dès le début sur la création d'une culture inclusive qui favorise vraiment chaque personne
à donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Puis ça, on le voit tous les jours. On a des gens qui viennent au travail avec le sourire, vraiment. Un autre point peut-être à ajouter là-dessus, c'est même au niveau, la façon dont on a bâti notre infrastructure de recherche. On travaille avec certains des plus grands chercheurs au Canada en ce moment, mais on va ajouter des chercheurs à travers le monde. Et on ne leur demande pas de se joindre à nous à temps plein. Alors, on travaille avec eux à temps partiel pour qu'ils soient capables de rester dans l'écosystème, continuer à être dans le monde académique, continuer à entraîner la prochaine génération de chercheurs, mais aussi collaborer avec d'autres startups et d'autres entreprises. C'est un modèle qui est très différent du modèle de Google ou Facebook ou Amazon qui essaie de récupérer ces chercheurs-là. Ils vont les chercher dans les universités et les amènent chez eux à temps plein. Et ça vide un peu ça vide l'écosystème, ce qui n'est pas le cas avec nous. Je pense qu'on revient un peu au concept là, d'amplifier. Alors, c'est exactement notre philosophie dans tout. On voulait amplifier les chercheurs en leur donnant des projets, de l'accès à du data, des projets chez nous, mais sans aller nuire à leurs autres opérations qui sont super importantes, de participer à former les nouvelles générations. Puis ça, c'était très, très cher au cœur d'un de nos fondateurs, qui est professeur Yoshua Bengio à l'Université de Montréal, qui est mon mentor. J'ai fait ma thèse avec Yoshua. Je travaille avec lui depuis presque 20 ans maintenant. Ce qui est vraiment au cœur de Yoshua, c'est de bâtir un écosystème en intelligence artificielle très, très fort à Montréal. Puis quand on parle d'écosystème, on ne parle pas d'un seul joueur, on parle d'un ensemble d'acteurs, que ce soit au niveau académique, au niveau start-up, au niveau grande entreprise. Donc, la diversité au niveau des joueurs de l'écosystème est quelque chose qui est très, très cher au cœur de Yoshua. Puis, ça fait vraiment partie de l'ADN de la façon dont on a bâti Element AI également. Donc, à partir de ce point-ci, il y a plein d'autres éléments, je pense, qu'on pourrait discuter, puis des points à amener. Mais on voulait garder peut-être, il nous reste 8 minutes à peu près, peut-être pour des questions des gens qui voudraient qu'on parle d'un aspect ou l'autre du projet ou de l'aventure ou qui auraient des points à porter. Là, on aimerait ça qu'on puisse ajuster la conversation. Donc, il y a des micros dans le corridor. Est-ce que c'est possible d'ouvrir les micros, s'il vous plaît, pour les gens qui... Ça arrive-tu des fois, ça? Allô, allô. OK. Sauf un événement. Pascal, de CoreSTEM. J'aimerais comprendre de quelle façon la preuve intellectuelle va être gérée avec... Tu travailles avec les chercheurs ou avec des startups. Est-ce que, comme vous dites, vous n'amenez pas les chercheurs chez vous, mais vous les engagez quand même? Comment ça fonctionne? Habituellement, lorsqu'un chercheur travaille, la preuve intellectuelle reste avec l'université? Oui, donc, on a un volet de recherche fondamental chez Element AI. On a des chercheurs fondamentaux qui font de la recherche très ouverte. Donc, on est dans un mode open science, open innovation, où les gens publient, mettent leur code disponible sur GitHub et ont le plus de collaboration académique et non académique possible. Donc, pour nous, on reconnaît au niveau de la recherche fondamentale la grande valeur du réseau plutôt que la valeur de brevets qui vont être dépassé dans quelques mois. Au niveau du travail des fellows en tant que tel, techniquement, les fellows sont employés de Element AI à temps partiel, quelques heures par mois. Puis, lorsqu'ils doivent donner des conseils, par exemple, sur des situations particulières de clients, ce conseil appartient à Element, parce que là, on est soumis à des clauses de confidentialité et des conditions normales d'affaires. Et donc, au niveau du start-up, la couleur va varier. On se garde quand même la flexibilité parce qu'il y a des cas où on a développé de la technologie, où on est en train d'en développer, et que le start-up n'a peut-être même pas pensé ou n'a pas nécessairement encore travaillé dessus, et on va aller l'investir dans la compagnie. Donc, il y a des cas comme ça. Il y a d'autres cas où est-ce que la start-up a déjà de la propriété intellectuelle, puis il y a une collaboration au niveau donc du co-développement. Donc là, on fait des ententes où est-ce que on a des accès, des fois, à la propriété intellectuelle dans d'autres secteurs, mais il y a des exclusivités qui sont données aux startups. Donc, il y a quand même une certaine variété et une certaine flexibilité de notre côté. Le but étant, évidemment, pour la compagnie qui se joint à notre réseau,
d'être capable d'avoir un maximum de valeur puis de se développer comme organisation. Puis le fait souvent que on prenne une participation là, minoritaire là, dans l'entreprise aligne nos intérêts aussi. On veut que la compagnie ait le plus de succès possible. Donc, ça rend ça un petit peu plus simple. Mais bon, c'est difficile d'avoir une seule réponse sur un cas. Il y a de la variété. Mais donc, nous, on a une approche qui est un peu quand même flexible de ce côté-là. Une autre façon peut-être de le voir, c'est la grande force d'Element AI, c'est d'être capable de prendre les nouvelles idées, les nouvelles innovations qui sortent du monde de la recherche et de les amener dans des produits logiciels qui peuvent être mis en marché ou à travers un start-up, alors en partenariat avec un start-up ou dans une grande entreprise. On a bâti le stack qui de la recherche fondamentale à travers les fellows, mais aussi à travers notre équipe de recherche. On a de la recherche appliquée et un full stack, une équipe d'ingénieurs full stack qui permet d'amener la recherche à un produit le plus rapidement possible et rendre ça disponible. Oui, merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Denis Lalonde du journal Les Affaires. J'aimerais juste savoir si c'est possible pour vous. Là, on a abordé un peu le sujet de façon un peu détournée, mais concrètement, pouvez-vous nous dire un exemple de produit ou de services que vous allez offrir chez Element AI? Je ne sais pas, moi, par exemple, ça peut être d'automatiser justement les scans dans le secteur de la santé, ou ça peut être un logiciel pour écrire des articles de nouvelles, mettons, de façon automatique. Qu'est-ce que vous voulez développer concrètement? On ne ferait pas ça, là. Non? Donc, il y a différents exemples. On a quatre secteurs pour lesquels on a été beaucoup plus actifs. Donc, le secteur de la cybersécurité est un secteur pour lequel on voit énormément de demandes, puis pour lesquelles on pense qu'on peut avoir une contribution quand même très intéressante. Donc, essentiellement, il y a énormément de plateformes qui monitorent toute l'activité sur les machines, les réseaux de la plupart des entreprises pour essayer de les protéger contre les intrusions, contre le malware. On a vu plusieurs cas là, dans les derniers mois. Et les algorithmes derrière sont encore très rudimentaires pour être capable de détecter ces intrusions-là. Et on dépend encore étonnamment énormément d'humains pour être capable de faire ça. Et donc, un des projets, un des produits qu'on développe, c'est d'être capable d'utiliser les dernières avancées en deep learning, entre autres, pour être capable de faire la détection très sophistiquée des intrusions. Fait que ça, c'est un exemple. On en a un autre dans le secteur manufacturier là, qu'on travaille présentement à travers un partenariat qu'on a fait avec une grande entreprise japonaise. Eux, ils se trouvent à faire de l'assurance qualité pour la production dans le secteur du semi-conducteur, donc où est-ce qu'il y a des impressions lithographiques de transistors. Et donc, ils utilisent des microscopes pour essayer de détecter les erreurs. Et donc, avec eux, on est en train de développer un produit qui est capable de regarder l'ensemble des opérations d'une chaîne de production et de regarder la nature et la forme d'erreur qu'il y a sur les impressions, puis de faire la recommandation à savoir comment ajuster la ligne de production pour être capable de minimiser ces erreurs-là et donc d'augmenter la qualité de la production. Donc ça, c'est des cas, c'est évidemment des trucs qui sont moins grand public. On a aussi fait toutes sortes d'autres projets là, qui sont peut-être un petit peu plus proches des gens. Donc on a deux autres créneaux dans lesquels on est très actifs. Le premier, c'est le secteur des services financiers. Puis on a des collaborations avec des banques pour automatiser, par exemple, des problématiques de trading ou de allocation d'actifs. Puis le dernier secteur dans lequel on travaille, c'est le secteur des chaînes d'approvisionnement. Automatiser toutes les opérations qui sont au cœur de ce que ça prend pour amener des biens au magasin, au coin de chez vous. Merci beaucoup. Oui? Oui, vous parlez tantôt de super crédibilité, mais comment vous avez fait pour être super crédible concrètement? La question, c'est comment concrètement on a réussi à atteindre le seuil de super crédibilité? C'est une ligne qui est un peu invisible, qui se déplace probablement dans le temps. Donc, je pense que on peut prendre des actions pour tenter de l'atteindre. Le résultat, à savoir si on a dépassé cette ligne-là, bien, c'est découvert au fil du temps. On avait la chance d'avoir des actifs, des cofondateurs comme Joshua Bengio qui ont,
une crédibilité déjà à la base qui est très grande, qui sont reconnus mondialement. Nous, comme entrepreneurs en série aussi, une très bonne crédibilité. Mais je pense que ça a été un long travail de fond. Donc, le temps qu'on a passé à valider notre modèle d'affaires, puis à l'ajuster, puis à vraiment cibler un besoin réel, et le problème étant d'accessibilité à la technologie, la vraie accessibilité, quelque chose que les gens peuvent vraiment dire, j'appelle une compagnie ou je rejoins une entreprise, puis je vais vraiment avoir une solution qui va m'être livrée, qui est un problème présentement. Ce n'est pas évident, les gens ont de la misère à s'interfacer avec IBM. Sinon, ils doivent utiliser des technologies comme celle de Google Cloud, puis d'autres solutions, c'est très artisanal. Ils doivent embaucher des gens, faire la programmation eux-mêmes, ou travailler présentement avec des startups qui souvent ont de la difficulté à arriver à grande échelle, à répondre à l'ensemble de leurs besoins. Ils doivent maintenir 50 relations avec 50 compagnies différentes pour vraiment pivoter leur entreprise. Donc, ce besoin-là, on l'a vraiment bien identifié. Puis je pense que la partie de super crédibilité, c'est l'ensemble de ces boîtes-là. À quel point est-ce que le message est clair et compris et représente un vrai besoin à grande échelle? Est-ce que ce besoin-là est un des trois éléments qui sont présentement dans le monde, quelque chose qui est top of mind, je m'excuse encore une fois l'anglicisme, mais qui est quelque chose que les gens se préoccupent vraiment? Et ça, c'est un autre élément. Et puis, finalement, après, c'est toutes les actions. Donc, c'est de dire, bien, les gens doivent nous connaître, on doit faire des démarches et des investissements actifs pour être vus et être entendus. Et pour ça, ça veut dire de donner beaucoup. Donc, ça veut dire d'être présent dans des panels, de donner son temps, de ne pas compter, de prendre toutes les rencontres, de se faire connaître, puis de bâtir cette crédibilité-là à la pièce. Parce que le jour où est-ce qu'on s'en va public, les gens vont se tourner de côté puis vont dire, « Wow, c'est la première fois que j'entends parler de ces gens-là, les connais-tu? » Et puis là, si les gens n'ont jamais entendu parler de toi ou si les gens n'ont pas nécessairement compris les choses, puis Dieu sait que notre modèle n'était pas nécessairement le plus évident à comprendre, surtout au départ, même nous autres, on était encore en train de figurer notre message, bien, ça ne va pas arriver. Donc, c'est une espèce d'effet d'entraînement. Il faut créer cette masse critique-là, puis après ça, ça se bâtit, puis ça se développe. Mais c'est difficile, la recette. Je pense que si elle existait, là... Tout le monde le développerait. Ce n'est pas évident. C'est vraiment une question de timing aussi. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Hein, donc, on a eu la chance aussi qu'il y ait un build-up d'attention à Montréal. Hein, il y a eu des annonces d'investissement majeur par le gouvernement. Nous, ça faisait longtemps qu'on travaillait sur le projet. On ne contrôlait pas à quel moment ça allait se passer. Et après ça, il y a eu des grands joueurs technologiques qui sont venus se joindre à l'écosystème. Donc, ça a amené de l'attention sur l'écosystème. Les gens se questionnaient, disaient « Ah! » Il y a quelque chose qui se passait à Montréal, ça se développe. Après ça, Toronto, puis etc., le Canada. Puis donc, on est arrivé à un moment donné dans la séquence qui a fait qu'il y avait de l'attention qui était donnée. Puis là, au moment où on a dit, bien, nous, on a quelque chose à contribuer à tout ça. Puis on amène quelque chose de nouveau. Puis voici qu'est-ce que c'est. Bien, c'était une belle continuité. Et là, ça a fait boule de neige par la suite. C'est ma meilleure explication. Concrètement, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, comment faire pour répéter ça deux, trois fois? Peut-être qu'Elon Musk a une idée là-dessus. Il y a eu une coupe de bons coups de ce côté-là. Je pense que ne serait-ce que d'avoir l'intention d'essayer de le faire change complètement certaines des décisions qu'on va prendre en tant qu'entrepreneur. Je pense que ça, c'est un peu le takeaway, l'espèce de message qu'on veut que les gens gardent, c'est de dire oui, on peut faire ça si vous travaillez puis vous réfléchissez. Aux piliers qui doivent être mis en place, bien, ça peut se faire, puis ça peut se faire ici, ça peut se faire au Canada, ça peut se faire à Montréal. Le capital est disponible, puis les ressources sont là, puis l'attention en plus, elle est là, ici. Là. Fait que ça se fait. Un gros merci. Bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait au niveau du temps. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention, puis au plaisir merci. De connecter. Merci. Merci. Éventuellement, merci. Merci.